Salut à tous, c'est Xus Carter, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Assassin's Creed Valhalla. Et normalement, il y a encore celui-là là. On va savoir où est-ce qu'il peut être. Non, pour moi c'est pas sûr. D'abord je me suis posé la question, je me suis dit oh, il sera encore capable de nous faire un truc comme ça. Mais... Bref. Du coup, ah bah oui, forcément. Scott ! Prends ta corne, prends part à la fête. Cher Scald du combat et des vers, que penses-tu de cette agitation ? C'est impressionnant. Lève ta corne, Ivor. Qu'est-ce qui te retient ? Mon père, Varin. Est-ce que tu l'as vu dans cette halle ? Non. A-t-il sa place ici ? Non, il est mort en lâche. Mais par l'œil d'Odin, je peux te jurer que je l'ai vu. Oublie tes soucis au Valhalla et tes quêtes. Nous avons gagné le droit au bonheur. Notre voyage est terminé. Je t'ai vu, père. Où es-tu ? Montre-toi. Servis-nous à la gloire, Ravi. Le servir est notre fierté, Ravi. Grand guerrier, avez-vous vu Varin ? Qui ? Varin. Mon père. Varin ! Père ! La prochaine fois que je perds cette saleté de bras, je m'en sers pour cogner sur quelqu'un. Ne te lasse pas de ces blessures. Oh non! Attends. Père. Le fameux œil. Et c'est reparti pour un tour. Ivor, tu as un invité. Tu aurais pu frapper avant. Oh, arrête, je t'ai amené quelqu'un. Regarde. Mon Ivor, tu es là. Quel guerrier tu es devenu. Mon cœur déborde de fierté. Comment as-tu fait pour arriver ici ? Tu te souviens de notre grande bataille ? De notre combat côte à côte avec ta mère et Sigurd, et de nos clans tous réunis. Nous nous sommes battus, père, mais pas toi. C'est en lâche que tu es mort. Eivor, profite. Tu as retrouvé ton père. As-tu perdu ton amour pour la vie ? Cet homme n'était pas mon père. C'était un mensonge. Non, pas un mensonge. Un cadeau de ma part. J'ai du pouvoir ici. Je peux faire comme bon me semble. Tu souhaitais voir ton père, j'ai exaucé ce vœu. Sans embâge, d'ailleurs. Selon les règles d'Odin, mon père n'a pas le droit d'être ici. Je ne tiens pas à le voir, là où il ne doit pas être. Ton père a péri en espérant que son geste te sauverait. Il est mort pour te protéger, ainsi que son clan. Non. Il... C'est la fin de notre route, Eivor. C'est le Valhalla, l'éternel champ doré. Allez, viens. Le combat va commencer. Et sérieux, ça s'ouvre, on va le refaire comme il fallait affiler les trucs. Comment tout cela est-il possible ? Mais c'est une simulation, t'es branché à un ordi en douille. Un univers virtuel, si tu préfères. Comment les morts arrivent-ils ici ? Les seuls à le savoir sont les Valkyries. Non. Cela ne peut pas être vrai. Cela n'a rien de sensé. Ressaisis-toi, Ivor. Regarde.
tes amis sont là. Tout ce dont tu pouvais rêver se trouve devant toi. Non. Ils ne sont pas réels. Dieu n'est qu'un mensonge. Cet endroit peut être le reflet de tes désirs, Aero. Je ne veux pas. Pas comme ça. Préfères-tu te résigner à une mort sans gloire ? L'extase que je ressens ici n'est qu'illusion. Je préfère croasser comme un corbeau plutôt que de chanter un mensonge. Illusion ou pas, il n'y a ici ni mort, ni douleur, ni deuil, ni trahison. Pas comme là-bas. Tu souhaites ceci ? Vivre dans le mensonge ? Je suis vieille et mon corps est brisé. Il ne me restait que peu de temps à vivre. Alors j'ai dit adieu à ma chère Valka. Et je suis venue ici. Je te souhaite le bonheur, Svala. Mais ceci n'est pas pour moi. Il faut que je retrouve Sigurd. Il va à nouveau se faire couper le bras. Je vais à nouveau me prendre une flèche dans l'œil. Une illusion. Une duperie. Viens avec moi et retournons en Angleterre. Notre peuple a besoin de nous. Non. Ma place est dans ce monde. Je suis quelqu'un ici. Puissant. Capable. Divin. Je peux vivre à jamais. Ici, je ne peux pas mourir. Les vaches meurent, les hommes meurent, et tu mourras, toi aussi. La seule chose qui ne meurt jamais, c'est la renommée de celui qui meurt. Et tu n'as aucune renommée ici. Mais à l'extérieur, il n'est pas trop tard. Chaque jour, la même guerre dérisoire, la même victoire stérile, a versé du sang qui a le goût de l'eau et l'odeur de l'herbe. Tu as connu les vrais combats. La gloire réelle. Il ne ressemble pas à cela. Tu le sais. Ne le nie pas. Mon frère, il est temps de partir. Mon destin est-il de te suivre partout, jusqu'à mon dernier jour ? Très bien. Allons-y. Non, tu restes. Je ne t'ai pas autorisé à partir. Pourquoi quitter ce lieu et une gloire que tu t'es donné tant de mal à acquérir ? Accompagne-moi. C'est un honneur de marcher auprès de toi, Ivor. Les guerriers chanteront à jamais tes exploits. Tu es l'ami des loups, titre ironique pour qui a réussi à survivre à leur morsure. Tu as versé au combat le vin des corbeaux. Et peint en rouge des royaumes entiers. Selon ton plaisir, tu as tué et couronné des rois sans jamais t'incliner devant l'un d'eux.
t'es tenu droit, là où ton frère titubait, et tu es venu à son aide. Pourquoi est-ce que j'ai repris une autre tête, j'en sais rien. En peu d'années, tu as abattu de nombreux ennemis redoutables. Tu as gagné ta place en ces lieux, Eivor. Réjouis-t'en. Laisse-moi passer! Mon peuple a besoin de moi! Je t'ai offert tout ce que tu désirais. Tout ce dont tu avais besoin. Tu ne m'as rien donné. J'ai tout gagné. Pourtant, je t'ai ouvert la voie. J'ai guidé ta hache. Tu n'as été qu'une mouche qui bourdonnait à mon oreille. Tu oses me dénigrer. Tout ce en quoi tu crois s'agite devant toi. Et pourtant, tu doutes de l'existence même des dieux. Affronte-moi et crois en ta valeur. Ta halle des morts n'est rien de plus qu'un rêve. Rien de plus qu'un rêve. Mais un rêve est aussi réel que n'importe quoi. Les rêves ne sont-ils pas une source d'inspiration ou de terreur? Ne poussent-ils pas les hommes vers leur plus grande gloire? Dans ce cas, j'en ai assez. En fait, je pense qu'on doit se faire tuer, justement. Eivor, debout. Oh, mais pourquoi il me fait chier? Faut que je fasse quoi? Ne me tourne pas le dos. Faut que je fasse quoi, moi? Bah vas-y, tue-moi, que je vois ce que ça donne.
Prends ta hache. Brandis-la comme un... C'est maintenant qu'il me le dit qu'il faut... Saisis ta hache. Il est avec... il a Loki, lui. Ah bah oui, forcément. Basim, qu'est-ce que ça veut dire? Approche, Eivor. Ah bah oui, la voix... Oh, mais qu'est-ce que je suis, quoi. Donc c'est lui, en fait, le chef de le chef des méchants. J'ai regardé trop longtemps le soleil. Son éclat m'a empêché de voir la vérité. De voir que c'était toi. Que cela a toujours été toi. Tu nous as suivis jusqu'ici. Comme un sale renard se cache dans les fourrés. Tu as réduit à néant ma destinée, ami des loups. Tu as brisé tous mes espoirs. Il est fou, Eivor. Fais-le taire. Allez, Eivor. Viens sauver ton prince, estropié des corbeaux. Tu es blessé? Ce n'est rien. Va, va tuer cette vermine. Il faut que tu souffres. Mille fois plus que moi. De quoi parles-tu? De mon fils, Eivor. Je te parle de mon fils. Ce que tu dis n'a aucun sens, Basim. Tout pardon est impossible. Nous avons connu l'Angleterre ensemble. Nous avons combattu et saigné. Plonge, Eivor, dans le puits de tes... Yeah.
m'ont privé de ma récompense. Bien sûr. Élève-toi. Mon fils n'aura pas souffert enfin. Les mots n'ont aucun sens. On dirait un ivrogne. Vraiment, qu'il en soit ainsi. Tu ne mourras pas, jamais. Tu ne reverras jamais ton foyer, ni les tiens. Intéressant, en faisant participer Sigurd. Lâche, affronte-moi, bats-toi contre moi. Sois sur tes gardes, Sigurd. Mon fils n'aura pas souffert. Il va s'en prendre à toi. Briseur de serment, tu vas mourir ici. Ça ne m'apporte aucune joie, porteur de justice. Tu as toujours été bon, mais tu as choisi le mauvais camp. C'est moi ta récompense, Basim. Viens. Tu l'es, en effet. Tu refuses de mourir. Pas ici. Pas de ta main. Combien de temps Basim préparait-il cette traîtrise? Je n'ose l'imaginer. Par Dieu! Vais-je toujours être poursuivi par une meute de traîtres assoiffés de sang? Ça paraît sans fin. Tu as quelque chose à dire? Alors dis-le. J'ai besoin de reprendre mon sang. La colère de cet homme, sa rage, elles avaient un côté familier qui ne me revient pas. Loki. Il délirait, Sigurd. Au-delà de la raison. N'y prête pas attention. Je ne suis pas fou, Eivor. Ces choses que je vois et ressens, je sais qu'elles sont vraies. Je sais, mon frère. Maintenant plus que jamais.
Tu as toujours dit la vérité. Tournons notre regard vers notre foyer. Le voyage sera long, mais... je ne me sens pas bien. Le foyer. Eivor, en venant ici, j'ai eu le temps de réfléchir à propos des joies et des douleurs de notre amitié. Je ne suis plus celui que j'ai été. Mes jours en tant que Jarl sont derrière moi. C'est à toi de diriger maintenant. Tu le penses vraiment ? Ranvi m'a en effet parlé de ta hardiesse, de ton courage, de ta sagesse. Pendant mon absence, tu as été un vrai roc. Elle t'admire. Moi aussi. Mais ce ne peut être l'unique raison. Quand Dag t'a appelé et t'a provoqué en duel, tu l'as laissé mourir avec honneur, malgré sa trahison. Il a fait ce qui lui semblait juste. J'ai respecté son geste. Je me rappelle notre séjour dans l'Oxenforger, à la recherche de la pierre de Saga. Tu désapprouvais mes ordres, mais tu les as suivis. Tu as mis en doute mes méthodes, mes buts, mais tu n'as pas désobéi. Et lorsque j'ai jugé Holger, tu as respecté ma sentence, alors que je savais que tu désapprouvais. On pouvait le lire sur ton visage. Et je me rappelle et admire la manière dont tu nous as guidés de Norvège vers l'Angleterre. Tu as tempéré ma colère, orienté mes ambitions. Une période éprouvante. Pendant toute mon absence, et ma longue période de confusion, tu as fait preuve de sagesse et de force dans ton commandement. Où tu iras, Eivor, je te suivrai. C'est à toi de diriger notre clan. Merci, mon frère. Je ne t'abandonnerai pas. Tu sembles tourmenté. Il y a des années, avant notre départ pour l'Angleterre, j'ai eu une vision. Elle prédisait une trahison. La mienne, envers toi. J'ai refusé d'y croire. Je ne pourrais jamais faire une chose pareille, me disais-je. Mais par la suite, je t'ai volé tes rêves. Tes rêves d'Angleterre, du Valhalla. Si tu estimes que je t'ai fait du tort, j'y remédierai. On ne peut défaire la trame du destin, Eivor. Tout est tissé devant nous, dès notre naissance. S'y opposer serait comme lutter contre l'océan. Un combat perdu d'avance. Deux corbeaux piteux. Mais quelle saga mémorable fut écrite de votre main. C'est le moins qu'on puisse dire. Becca, je sors. Doucement, Leila. Vous regardiez mes transmissions ? C'était quoi tout ça ? Je crois que c'était la solution à notre problème. Tu penses la même chose que moi ? Desmond. Desmond, comment ça, Desmond ? Il était barman avant de nous rejoindre. Et assez médiocre, de plus. C'est ensuite qu'il a appris quelle était sa vraie fonction. Il était comme... je ne sais pas, une singularité, tu vois ? Un point de fuite. La totalité de l'histoire humaine semblait converger vers lui. En 2012, le Soleil a connu une éjection de masse coronale si puissante qu'elle aurait pu détruire toute vie sur Terre. Je me souviens, je travaillais chez Abstergo à l'époque. C'est Desmond qui nous a sauvés. Il savait comment l'arrêter. Abstergo en a tiré tout le crédit. Un truc lié à son réseau de satellites. N'importe quoi, c'était Desmond. Il a actionné la commande qui a sauvé le monde. Mais ce circuit fonctionne toujours. Il génère encore un champ magnétique qui s'intensifie chaque jour. Le temple trouvé par Eivor. C'est de là que provient le champ. Exactement. Il tourne depuis 8 ans.
et ils n'arrêtent pas de se renforcer. Et ça devient dangereux. La chaleur, les radiations... Peu importe. Faut s'en occuper. Et l'arrêter. Non, non, non. L'atténuer. Il nous protège toujours. Tout ça commence à prendre forme. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, ça m'a amené ici, à cet instant. Tu vas avoir besoin du bâton, à titre de protection. Sinon, tu ne pourras pas franchir la première porte. Ouais, bien sûr. D'accord. Je suis prête. D'accord. Je vais préparer le van. Et moi, je vais contacter notre navire. Il pourra être au port de Boston demain soir. Merci, Baker. Merci d'avoir assuré la stabilité. Tu surfes sur ce truc mieux que tous les gens que je connais. C'est pas vrai. Eh ben, presque. Fais attention là-bas. Et reviens en un seul morceau. Merci, Becca. Merde. Il était là quelque part, le bateau, non? Oh, il a déjà dû le charger, remarque. Je suis prête. Le chemin va être long. Allez, grimpe. Sean, j'y suis. Ah, bien. Ton signal commence déjà à être instable. Tu es à l'intérieur ? Pas encore, mais il y a une trentaine de mètres de glace devant moi. D'accord. On risque de perdre le contact quand tu passeras. Alors rappelle-toi ce qu'on a dit. Suis tes instruments, et surtout pour les radiations. Ah, et garde le bâton près de toi. Compris. Stand by. Zawaho en Nakwat, Uzme Borturwan di Kwarde, Ul Soros Vras Korako Dide, Umzumruhas de Derehas Zurumzi. J'y suis. Bien reçu. L'ascenseur marche toujours. Après 75 000 ans, on n'est plus un ou deux millénaires près. La température augmente déjà. Oui, d'après nos calculs, elle devrait monter d'environ 16 degrés Celsius. D'où est-ce qu'elle vient, toute cette énergie ? Elle est tectonique. Les déplacements de la croûte terrestre, le magma juste en dessous. C'est une source d'énergie colossale. Une technologie pour les humains. De l'énergie, pas des fragments d'Éden. Eh bien, tant que ça sera fini, on pourra monter une tartan, vous voyez, avec un petit espace de travail et un van, rien que nous. Ah, je te reçois mal, Sean. Tu peux répéter, ton signal faiblit. Laisse tomber, j'appellerai quand je serai en haut. Tu peux essayer de nous rappeler quand tu seras en haut, par exemple. C'est parti. Te voilà, toujours en activité. Ça
dû s'effondrer quand la glace a fondu. Quoi ? Attention. Une sorte de lac, provenant de toute la glace fondue. Je me disais aussi que c'était pas logique de nous mettre à l'axe si on n'avait pas besoin de plonger. Qui pourrait avoir envie de finir sa vie ici, sauf s'il pensait que c'était le commencement. Vas-y. Après un millier d'années, t'es pas très en forme. Pourquoi il reste en dessous ? C'est comme l'Animus. Exactement comme l'Animus. Simulation. Bon, qu'est-ce que je dois chercher ? Est-ce que je le saurai en le voyant ? Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est ? C'est vous qui faites ça ? Vous poussez cette machine à ses limites ? Nous n'arrêterons jamais. Alors, nous allons obéissant à notre maître. Qui ?
Qui est votre maître? Est-ce qu'il est là? Elle me flatte. Je ne suis qu'un invité dans leur monde. Un monde fait de souhaits et d'espoir. Basib, t'as envoyé le message. Tu nous as menés à la tombe d'Eivor. Oui, un message prometteur, n'est-ce pas? Mais comment? Tu es piégé ici depuis un millénaire. C'est Eivor qui t'a mis à cet endroit. Certes, mais je ne suis pas seul dans ce lieu. Pas toujours. J'ai un ami qui m'aide. Ensemble, nous lisons les calculs. Après avoir localisé le probable tombeau d'Eivor, je t'ai contacté par l'intermédiaire du maillage numérique qui enserre cette terre comme une toile d'araignée. À notre époque, le monde entier était connecté ainsi. Un super organisme de technologie. Le bâton que tu tiens, les temples que tu as visités, tout parle d'une même voix. Puis-je te montrer quelque chose? J'imagine que tu peux faire tout ce que tu veux ici. Pas autant que tu pourrais le croire. Je suis lié à mon corps d'une manière assez inconfortable. Mais tu peux ralentir cette machine. Tu sais comment elle fonctionne. Oui. Nous le ferons ensemble. Car une autre catastrophe menace. Ce nœud temporel se corrige seul d'une vile manière. Vas-y. C'est pas facile de te faire confiance. Tu dois le savoir. Rien ne t'oblige à me faire confiance. Mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Silence, Ward, Verdandi, Skuld. Calmez-vous. Le jour de votre repos est venu. En paix. Enfin, nous reposons. C'est tout? C'est fait? Basim! Où es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Stop. Reste. Recommence. Leila. Bonjour. Tu me connais? Oui. Grâce au calcul que je lis ici, dans le gris. Il y a 8 ans, la probabilité de ta venue était d'une sur 15 milliards, 55 millions, 3276. Avec les années, elle a augmenté. Pour atteindre hier, environ une sur deux. C'est un plaisir de te rencontrer enfin. Qui es-tu? Et qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le lecteur des calculs. Et ceci est l'ensemble des avenirs potentiels pour toi et le monde extérieur. J'ai passé une bonne part de ma vie à les lire. En cherchant un moyen d'achever ce que nous avions entamé il y a si longtemps. Ça commence ici. Tu ralentis la machine et tu sauves le monde. Et ensuite, tous les avenirs potentiels se développent. Des millions et des millions de chemins possibles. Mais sur chacun, un autre désastre ressurgit. Le nœud s'effondre et le monde est balayé. L'espèce humaine s'étiole et disparaît. Je dois continuer à chercher. Je dois trouver la solution pour vous tous. Je dois vous laisser quelque chose. Ce nœud... C'est maintenant quand je ralentis la machine? Oui. Je fais débuter tous mes calculs en ce point. Car c'est la seule chose que je sais certaine. C'est assez contraignant. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si tu remontais en 2012, au moment où Desmond a sauvé la planète? Desmond? Et s'il ne l'avait pas sauvé? S'il était parti en laissant la planète brûler? Regarde ces chronologies. Essaye de les lire. Je vois. C'est... une idée intéressante. C'est fascinant. Des milliards et des milliards de nouvelles chronologies à étudier. Exactement. Ces chronologies ne se sont jamais produites, mais elles auraient pu. Si Desmond n'avait pas empêché la destruction de la Terre, peut-être que les humains ayant survécu auraient tiré des leçons du désastre. Et peut-être que dans l'une de ces chronologies, ils auraient découvert un moyen de l'empêcher de se reproduire. C'est absolument brillant. Comment t'es venue cette idée? Quand on passe trop de temps à réduire le champ des possibles, on ne pense jamais à imaginer l'improbable. Merci pour ton apport, Leila. Ce n'est que le début. On a des tas de données à examiner. Vas-tu rester? Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'utile, oui. Je veux pas que tout ceci se reproduise un jour. Tu vas peut-être manquer de temps, Leila. La machine a ralenti, mais les radiations vont demeurer pendant des décennies. Selon mes calculs,
tu disposes de 73 secondes avant que ton exposition ne soit létale. Je m'inquiète pas. J'ai le bâton d'Eden. Il soigne et il protège. Non. Tu ne l'as pas. Quoi ? Mais comment ? Bien sûr. Bien sûr ? Merde. D'accord. On va trouver une solution ensemble. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et si je peux pas repartir, eh ben tant pis. Je le dois aux gens à qui j'ai fait du mal. Et à ceux que j'aime. Oui. Je connais ce sentiment. On s'y met, d'accord ? Des milliards de chronologies, ça peut prendre un moment. En effet. Mais nous n'en aurons pas l'impression. Voilà ce que j'aime dans cet endroit. Est-il là ? Non, mon amour. Il ne reste que nous. Et Leila ? L'héritière des souvenirs a tenu son rôle à la perfection. Et maintenant, un nouveau monde nous attend. Sean, Becca, j'ai dû faire un choix. Et j'ai décidé de rester. Vous allez vous demander où je suis, et même si j'existe. Je sais pas comment vous répondre, mais j'ai pas peur. Et je ne suis pas seule. On a du boulot. Ça risque de nous prendre des jours, ou des années, impossible à dire. Mais on en viendra à bout. Ce que je veux dire, c'est... Ne venez pas me chercher. C'est trop dangereux, et... Vous arriveriez trop tard. Prenez soin de vous. Veillez sur le monde que nous avons atteint. Vous voyez, elle va bien. Enfin, façon de parler. Façon de parler ? Bon Dieu, faut qu'on aille la chercher ! Vous l'avez bien entendu. Elle ne veut pas qu'on aille la chercher. Tu parles. Quoi qu'il en soit, il ne reste rien à sauver. Pas après tout ce temps. À cause de toi, tu l'as laissé là-bas. C'est assez dur à encaisser, je sais. Je suis dans la même situation. Non, non. T'es une classe au-dessus, toi. Nous sommes des assassins, maintenant. Plus ceux qu'on ne voit pas. De l'arabe à Shashin. Ah. Et nous avons un mentor. Cela se pratique toujours. En effet, oui. Son nom ? William Miles. William Miles. J'aimerais rencontrer William Miles. Vous voulez bien me mener à lui ? On peut l'appeler. Sur une ligne cryptée, tu pourrais lui parler tout de suite. Pas de technologie. Face à face, entre esprits. Il est temps de porter le combat chez ces templiers, comme vous les appelez. Je n'irai nulle part, mes amis. Votre animus est en de bonnes mains. Qu'est-ce que tu en sais ? Ma chère,
Nous avons inventé ce genre de choses bien, bien avant vous. Je saurai me débrouiller. D'accord. C'est un bel endroit pour mourir, Eivor. On ne peut pas toujours choisir. Tu m'as battu. J'ignore comment, mais tu as réussi. Pourtant, c'est moi qui suis vivant. Et je peux maintenant te prendre tout ce que je veux. Tes souvenirs, tes talents, tes secrets. Ils sont tout à moi. Et quand je les aurai, j'en ferai bon usage. Afin de retrouver mes enfants et de réunir ma famille. Un endroit paisible où finir sa vie. J'en viens presque à t'envier. Bonjour, petit bonhomme. Vous allez vous demander où je suis. L'effet de transfert ne devrait pas tarder à se manifester. Quelques jours, tout au plus. Alors, allons-y. Eivor, Sigurd. Tove. Bon retour chez vous. C'est un grand festin, semble-t-il. Eivor ! Assieds-toi un instant, et repose-toi. Sigurd. Pour moi. Tu es de retour. C'est un don des dieux. Debout.
et en forme. Est-ce que... tu as trouvé ce que tu cherchais ? Nous l'avons trouvé, oui. Mais ce n'était pas pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je... Eivor est de retour, à l'intérieur, près du feu. Venez ! Ton secret est éventé, semble-t-il. Eivor, Randy, qu'est-ce que ceci ? Est-ce que tout va bien ? Notre Jarl est de retour pour nous mener vers un avenir incertain. Parleras-tu au tien ? Amour et joie, les mots peuvent trahir. Et nos âmes s'unissent en un chant commun. Et lorsque... vous êtes moins à moi que je ne suis à vous. Et je ne demande qu'une seule chose. À l'avenir, puissais-je être honnête. Al des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel, mille merveilles. Ton honneur chante et sans pareil. Nous avons rougi le chemin et son regard regarde Odin. Al les corps sonne ton cœur. Pour ceux qui luttent et ceux qui meurent, la halle des cornes sonne ton cœur. Car oui, on lutte et oui, on Sigurd. Eivor, avant tout, j'ai quelque chose à te dire. Ranvi et moi, nous avons mis fin à notre union. Je suis désolé de l'entendre. Ne le sois pas. Nous nous apprécions beaucoup. Mais notre mariage ne reposait pas sur l'amour. Il a été conçu pour assurer la paix. J'ai été promis à Ranvi avant de la connaître. Et même si nous avons tenté d'aplanir nos différences et d'apprécier les défauts de chacun, cela n'a rien donné. Alors nous avons dissous notre union. Mais, en tant que clan, nous grandirons ensemble. Dans ce cas, je suis heureux pour vous deux. Et pour le reste d'entre nous. Cet endroit ne serait pas le même sans vous. Contente de te voir. J'aimerais voir la carte des alliances. Ouais, j'ai pas déjà fait. Le Hamptonshire, la dernière place forte saxonne. Et par conséquent très bien gardée. Elfred se prépare à la guerre. Attends-toi à une forte opposition. Qu'Elfred s'y attend aussi. Le Jarl Guthrum est sur place avec son armée. Oui. Ube et lui ont rassemblé des forces impressionnantes et comptent bientôt attaquer Elfred. Si nous soutenons leur assaut, l'Angleterre nous appartiendra. Elle deviendra un royaume païen où pourront s'épanouir de nombreux dieux. Je vais aller dans le Hamptonshire voir Guthrum. Dis à nos alliés de se rassembler sur la Thémès, juste au dehors de ce comté. Entendu. Puissent les dieux sourire à notre victoire finale. Qu'y a-t-il ? Eivor, tu ne dois pas partir. Surtout pas. Les signes, les présages, ils le crient tous.
Ton départ serait notre perte. Sois plus clair, Valka. Qu'as-tu vu? J'ai lancé les eaux. J'ai fouillé les entrailles des bêtes. Et dans la vapeur qui s'en est élevée, j'ai vu la fin de tout. Tu remporteras peut-être cette bataille. Mais pas la guerre. Ton ennemi sera ton maître. Et ton espoir, ton chagrin, c'est ton destin. Notre destin. Je te remercie, Valka, mais les fils du destin sont trop effilochés pour que je les suive en ce moment. Je dois à mes amis et alliés d'aller combattre, et je tiendrai parole. Alors va. Sois prudent. Mais sache que la maison que tu quittes ne sera plus la même à ton retour. Petra. Et Ivor. Je dois y aller. Qu'est-ce qu'il fout, Affila, lui? Bref. Tac, 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 tac. Ah, yes. On l'a au moins dans le bon truc. J'approche de Wayne. Eivor, tu as répondu à l'appel de Guthrum. Je suis heureuse de te voir. Moi aussi, Soma. Il règne une paix fragile ici. Deux armées qui se toisent du regard. Le sang a-t-il coulé? Non. Nous avons pris Wareham sans opposition. Ces Saxons accompagnent leur seigneur, comme nous le faisons pour Guthrum. Alors ses ambitions ne se résument pas à ce fort. Le projet de Guthrum est d'amener les Saxons à la table des pourparlers. S'il peut parvenir à la paix sans combattre, il le fera. Et cela te paraît possible? Pour l'instant, il discute à l'église. Mais cela tourne en rond. Bien, je vais te mener jusqu'à lui. Qui Guthrum rencontre-t-il? Elfred lui-même? Exact. Le roi des Saxons de l'Ouest a accepté de négocier. Il semble qu'il soit assez désemparé. Que Guthrum se méfie. Elfred est aussi retors que Loki. Guthrum n'est plus un nourrisson, Eivor. Elfred non plus. S'il est venu, c'est qu'il espère en tirer profit. Alors conseille-nous. Tiens-toi près de Guthrum. Montre notre force. Ce roi des foins va bientôt connaître l'humiliation, crois-moi. Cette ville est tombée comme une maison de paille. Ne me défie pas, petit roi. Ta démonstration de force te vaut mon attention, Guthrum. Mais nous sommes tombés d'accord. Que réclames-tu de plus? La couronne du Wessex. Le Wessex a un roi. Et ce roi a l'appui du Tout-Puissant. La fièvre te fait délirer, mon ami danois. Tu n'as rien appris depuis l'arrivée des Danois. Guthrum ne pliera pas, briseur de serment. Pas plus que moi. Ah, Eivor. Notre outil émoussé est de retour, seigneur. J'ai offert ce que j'étais prêt à offrir. Un Dengeld pour quitter Wareham. Tu as prêté serment sur la croix et sur ce marteau païen. Et lorsque tu auras regagné le trou puant de fumier d'où tu es sorti, nous relâcherons tes hommes. Ouvre encore la bouche, servante, et le corbeau d'Eivor se régalera de ta langue. L'affaire est bonne. Nous avons déjà tes bourses. Peut-on arrêter de chercher celui qui pissera le plus loin? Si Guthrum a donné sa parole, il l'honorera. Nous quitterons ce bourg. Vous avez une journée. N'abusez pas de la patience du roi, ou nos hommes reprendront Wareham par la force. Et si vous doutez de ma détermination, sachez que près de Fentun, le fleuve Evon est rouge du sang de vos hommes. Leur chef, quel nom ont-ils donc crié lorsqu'il est mort? Houleur? Houbeur? Oui, ça doit être ça. Rappelez-vous que vous avez accepté mon argent. J'ai acheté votre honneur. J'attendrai la nouvelle de votre retraite à Chippenham. Ou le mort? Ce n'est pas possible. Par les dieux, si c'est vrai, j'arracherai de ses os la peau de ce Saxon. Elfred a une langue de vipère. Mais il n'a rien à gagner à mentir. Quand cette nouvelle se répandra dans notre campement, aucun Saxon ne verra le soleil se coucher. Tu en as fait le serment sur la croix? Oh, je n'ai pas l'intention de céder devant ce buveur de lait. Plus que jamais, je vais lui prendre son trône. Et sa tête. À Winchester, Elfred s'est servi de moi comme d'un outil. Il est temps de faire goûter la trahison aux traîtres. Nous allons raser ce village par le feu. Et ensuite, nous nous occuperons d'Elfred. Un
par le feu. Faites-en un bûcher de Saxon. La vengeance anime vos épées. Elle est finie, ta trêve. Maintenant, viens que je pousse. Feu et flamme. Brûlez tout. Elle est finie, ta trêve. Maintenant, viens que je pousse dans les bords de mon porcelet. Bon, ça par contre je vais le dégager parce que ça m'emmerde. Pourquoi est-ce que c'est inversé? J'en sais rien. N'auront pas entendu aujourd'hui. Nous devons retrouver Soma. Nous pourrons nous poursuivre. Je vais te tuer. Tous, gardez votre sang-froid. Ce lieu n'est plus qu'un tas de cendres. Au travail. Allons-en. Il y a des ruines dans la forêt à l'est. Le long de la route. Allez, en avant! Ah ok, donc faut qu'on y aille à pied. Ça, ça m'énerve. C'est quoi ce truc à la con là qui me fait tout le temps des...
chacun de ceux que nous croisons à leur dieu. En avant. Merci. Dieu te maudisse. Je vais te saigner. Fais la fierté du faire autre chose. Nous reposer ici un moment. Bien. Dis-moi ce que tu penses de ce briseur d'anneaux, ce sale avorton de troll. Elfred est rusé comme un renard. Il semble faible, mais puise dans une force intérieure. Il ne sera pas facile à déloger. Mais la fureur ardente anime mon armée. Ça ne suffira pas. Tu dois trouver son point faible. Oui. C'est pour cela que je t'ai fait venir. Rechignerais-tu à l'idée de tuer le roi Sax? Je préfère d'abord entendre ton plan. Elfred a parlé de Chippenham. Un trou perdu peuplé de paysans et de moutons. Mais pourquoi irait-il là-bas plutôt qu'à Winchester? Tes éclaireurs le savent, ce sont les meilleurs d'Angleterre. Pour une fête, leur messe chrétienne saxonne. Elfred se chauffera les pieds près du feu pendant qu'Oube repose en terre anglaise. J'ai demandé à mes alliés de se joindre à nous pour cette bataille, mais je dois savoir où les envoyer. Chippenham, c'est notre but final? Oui, mais j'aurai aussi besoin de mes hommes pour le combat à venir, ceux qu'Elfred a pris en otage. S'il existe une chance de les libérer. Nous ne perdrons pas d'autres amis aujourd'hui. Où sont-ils retenus? Un peu plus loin, dans cette forêt. Un lieu appelé la barrière de Hampton. Soma, chevauche au nord jusqu'à la Thémès et ramène mes alliés vers le sud. Ils devraient s'être rassemblés. Très bien. Regroupez-vous sur la rive près de Chippenham. Les autres, établissez un campement là-bas. Je t'ai un jour appelé nourrisseur des corbeaux. À Portchester, tu t'es montré aussi hardi que Thor. Tu es devenu un vrai chef, Eivor. Il reste beaucoup à faire, Guthrum. Bientôt nous chanterons la corne d'Hydromel en main. J'écraserai le crâne d'Elfred entre mes mains si Oube a péri. Nous devons pourtant arrêter de penser à cela. Si tu veux le trône, la stratégie doit passer en premier. Ou ma colère s'en emparera. Je vais suivre cet Elfred, rester sur ses talons. La vengeance me consume. Un homme sage m'a dit un jour de ne pas foncer tête baissée pour une cause perdue. Nous devons arriver par surprise, et frapper vite. Retournerais-tu mes paroles contre moi? Elles m'ont beaucoup aidé durant une période sombre, mon ami. Et Sigurd? Est-il revenu? Le sort de mon frère est une longue histoire qui attendra un autre jour. Chassé du Wessex, un roi aussi fort rendra cette terre difficile à tenir. On a presque l'impression que tu as du respect pour lui. J'ai appris que commander n'était pas une chose si facile, Guthrum. On en prend toute la mesure, lorsqu'on a entre les mains quelque chose d'aussi fragile qu'une vie. Voilà donc cette barrière. Les otages doivent être dans ces bâtiments. Que veux-tu faire? Nous pouvons avancer discrètement pour éviter d'alerter les gardes. Mais je peux aussi attaquer cet endroit avec mon équipage. À toi de décider. Tu crois qu'il aura tenu parole? Il a juré de ne pas les faire tuer. Rêve de Finaudry! Aucune compassion. Continuez comme ça. Leur sang va routir malade. Maudite flamme. À l'assaut. Allez, mes loups. Devenir des hommes de Guthrum? Oui, libère-nous et nous combattrons à tes côtés. Ah, l'ami, je t'offre toute ma gratitude. Chaque saxon qui m'a craché dessus crève.
crèvera. L'heure viendra. Mais modère ton audace. Commence par rejoindre notre campement près de Chippenham. Troum, quelques-uns de tes hommes. Pas de festin chez Oda ce soir. Un beau butin. Qui sont en ici? Inutile de me remercier, Troum. Nous parlerons davantage une fois à l'abri. Nous sommes en sûreté. Rejoins les tiens à ton campement. Même une surprise requiert des préparatifs. Ton courage, ton sens du commandement. Tu te bonifies, Eivor. Tu as beaucoup progressé depuis notre dernière rencontre. Tu as su me juger, Guthrum, même si tes mots ont été durs. Mais je ne commets pas deux fois la même erreur. Comment va ton frère Sigurd ? Il vit, mais il a beaucoup changé. Il est libéré des tourments de Fulke. En cela, notre action aura été utile. En fin de compte, tout cela en vaudra-t-il la peine ? Ce que nous avons accompli, tous nos sacrifices pour conquérir cette terre, il j'espère bien. De champs, couleur de suie, et de sang qui s'échappe des cultures, empoisonnant notre avenir. Nous devons croire que notre mode de vie perdurera. Notre sort est tissé, mais ce sont nos hauts faits qui façonnent notre destinée. Jusqu'à notre dernier combat. Nous t'attendrons au campement. Guthrum, mon jarl, nous devons parler. Une autre affaire accapare mon attention. Je te retrouverai au campement. Thank you.
J'approche de Levon, Fentun. C'est là qu'a eu lieu la bataille avec Ube, d'après Elfred. Ube. Elfred disait donc vrai. Puisses-tu retrouver ton frère, mon ami, ou qu'il puisse reposer à présent. Repose-toi, mon ami. Oula, mais il y a tout le monde. Gedrich, après Worcester, je me demandais si à nouveau tu viendrais. J'ai choisi mon camp. Plutôt coucher avec une truie que de laisser Elfred piller la contrée que j'aime. Guthrum piétinera les ambitions d'Elfred, fussent-elles de mauvaises herbes. Cela devrait servir la Mercy. Peut-être m'assirai-je un jour sur le trône de toute l'Angleterre. Le roi Gedrich, le mulet ivre. Je lèverai ma coupe à cela. Alors... Regardez, bande de Saxons qui pissent au lit. Voilà un vrai guerrier. Vili, quel récit racontes-tu à ces Saxons à la peau douce? Ne me fais pas regretter de t'avoir soutenu. Eivor, tu sais que je garderai des écorchures et tes secrets d'enfant jusqu'à mon bûcher. Bien. Je détesterai qu'il t'arrive quelque chose au cours de cette bataille. Toujours des paillardises entre vous. Vous vous moquez de la peur. Vous tirez la barbe du vieil homme. Je ferai la fierté de ma mère et de mon seigneur aujourd'hui, Eivor. Dieu sait que je n'ai pas été le meilleur des fils. Content de vous voir en bonne forme. Combattez bien, mes amis, et nous fêterons ensemble la victoire. Alors, les joues douces d'Angleterre, vous avez amené vos mères avec vous? Ma mère vaut bien 10 de tes hommes. Ça, je n'en doute pas. J'ai vu ces grosses poules saxonnes travailler la terre... pendant que vous autres paysans secouez vos verbes. Ah, et elle serait ravie de te voir à Colcestre. Tu vaux mieux que les feignes aux lèvres pincées qui hantent notre halle. Toudre, je suis heureux de te voir. Je t'ai donné ma parole. En outre, la foi d'Elfred est trop stricte. Il n'aime pas les païens. Depuis la dernière fois, ta piété a pris du poil au menton. Sache que j'en suis ravi. Tu m'as tellement enseigné, Eivor. Le temps que nous avons passé ensemble... m'a beaucoup appris. J'en suis heureux, Toudre. D'ailleurs, j'ai composé un poème pour l'occasion. Aimerais-tu l'entendre? Plus tard, Toudre. J'ai beaucoup d'alliés à accueillir avant la bataille. D'ici là, prends soin de toi. Ah, Finr. Tu as fait un long chemin pour répondre à mon appel. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider le roi Oswald à prendre la mesure de sa tâche. Je laisse l'Est Anglie en de bonnes mains. Ainsi, tu ne comptes pas y retourner? Non. Quand j'ai entendu parler d'un guerrier terrorisant les Saxons à l'ouest, je suis venu te rejoindre. Veux-tu bien de moi? Lorsque nous nous serons occupés d'Elfred, nous lèverons une corne. Pas en tant qu'alliés, mais en tant que compagnons. Si mon avenir doit être marqué par la boisson et les festins, je te suivrai jusque chez Helm. Deorlaf, tu as de nouveau répondu à mon appel. Certes.
Mais cette affaire me met mal à l'aise, Eivor. C'est une fête chrétienne, et les gens qui sont ici ne sont pas des soldats. Je ne suis là que pour Elfred. Des innocents mourront de par tes ambitions. Mais je te soutiendrai ici. Et ensuite, je devrais regagner la Mercy, afin de me racheter. Dès lors que je ne perds pas ton amitié, ton serment sera honoré. Nous deux. Te voilà, Corbeau. Yuvina, Yor, cœur est heureux de vous voir en bonne santé. Comme toujours. Surtout depuis que nous avons dépecé ces rats de l'Ordre. J'en ai traqué d'autres à Winchester au profit d'Elfred. Et maintenant, nous venons lui prendre son royaume. Souvent, une pièce se retourne en passant d'une main à une autre. Seuls les idiots aiment les paris. Elfred a cru qu'il était possible de se servir de moi. Mais Chippenham lui apprendra que ce n'est pas le cas. Beaucoup à Eivor, mon amour. Je sais, je sais. Et j'espère qu'après cette dernière bataille, notre dette sera remboursée. J'ai hâte de rentrer me réchauffer auprès de toi. Eivor, quel plaisir de te voir. Erke, Esto, je vous ai libéré de votre serment et pourtant, vous voilà. Lunden est assez calme. Esto sentait sa conscience le travailler. Je ne pouvais pas me défausser, Eivor. Ce n'est pas ainsi qu'agit un homme d'honneur. Alors me voici, malgré mes réserves. Et toi, Brodeur, je ne m'attendais pas non plus à te voir. J'ai pris soin de mon frère. Je l'ai envoyé au Valhalla avec quelques trésors. Je laisse le chagrin derrière moi, Eivor. Il a fait place à la colère. Je ne veux pas qu'on me lance. Il est seigneur, c'est une heure à deux. Eivor, tu es arrivé indemne. Ils sont venus de toute l'Angleterre. Je n'aurais jamais cru cela possible, Eivor. Rallier des gens du Nord et des Saxons sous ta bannière à plumes noires. Ils ont vu la tyrannie de ce roi elfe. Il les écraserait tous sous sa botte et leur farcirait le cœur de son dieu. Bon, et quel est ton plan, Eivor ? Quand aura lieu leur fête ? D'ici quelques nuits. Mais ils ont déjà commencé à faire bombance. Nous devrions attaquer tout de suite. Ce serait imprudent. Des soldats parcourent les chemins de leur village. Alors le soir de la fête, sous le couvert de l'obscurité, c'est là que nous frapperons. Oube ne sera pas mort pour rien. Nous attendons tes instructions, Eivor. Préparons notre assaut. Mais quoi qu'il arrive, Elfred m'appartient. Ils ne nous attendent pas. Nous ne devrions guère rencontrer d'opposition en chemin. Passerons-nous discrètement par les champs ? Quand ils nous verront, il sera déjà trop tard. Des jeunes Saxons pourront être nos yeux à l'ouest. Mieux vaut tenir leurs mains délicates loin des combats. Selon mes éclaireurs, quelques nobles sont déjà arrivés pour les festivités. Bien. Si nous nous emparons des Thanes, il n'y aura plus de danger lorsque j'affronterai Elfred. Et nous pourrions les persuader de soutenir un nouveau roi du Wessex. Je soumettrai ces seigneurs. Emmène des Orlaf et Tudre. Ils pourraient être utiles pour convaincre les Thanes. Brother, emmène Erke et Sto et emparez-vous de la garnison. Occupez-vous rapidement de tous les Saxons qui oseront traverser le village. Avec plaisir, Eivor. Nous savons tous ce qu'il faut faire. Puissent leurs épées se briser face à notre puissance. Ce soir, la résistance du Wessex s'effondrera. Je te suis, Eivor. Moi aussi. Soyez des loups voraces et des corbeaux croissants. Brandissez fermement votre hache et nous remporterons ensemble ce dernier combat. Et rappelez-vous, Elfred est à moi. Romain, avec moi. Bon, du coup, moi je vais m'arrêter là et je vous dis à très vite pour la suite. Salut tout le monde!